Et salut à tous, c'est Mr Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Rayman. Alors aujourd'hui, on va continuer la petite aventure. Hein. Mais j'espère qu'on n'aura plus de lag. Hop là, dans ta tronche. Hop. Ah, loupé. Mais si, mais... Oh, super. Alors j'espère qu'on n'aura plus de lag ce coup-ci. On n'en a pas eu tellement la dernière fois, hein, mais alors là il y a un truc spécial. Je ne sais plus comment on le chope. Je crois qu'on ne le chope pas maintenant. Oh magnifique. Allez hop. Et on est parti. Hop, on va aller libérer les petits Twings. Enfin les électro... les Electoons, pardon. Ça s'appelle des Electoons, hein, je me suis renseigné. Wow. Il y en a un qui lance encore des... Ouais, 5 orbes, allez, hop. Ah, le v'là. Et meurs. Magnifique. Et voilà, donc on a déjà libéré 2 cases d'électrons. On va essayer de faire un épisode un peu plus long ce coup-ci, et je vais voir pour... Enfin, normalement, on aura... Mario aujourd'hui ainsi que Rayman. Parce que j'ai envie de vous faire les deux aujourd'hui. J'ai un peu de temps. Je viens de rentrer d'une journée assez fatigante, mais j'ai un peu de temps. Alors, tiens toi, saleté de moustique. Alors ça c'est un des premiers boss du jeu. Hein. Vous aurez compris. Vous voyez sa barre de vie en bas à gauche. Et là. Deuxième phase, hop là. Alors ce qui est bien dans Rayman, c'est que les boss, on n'est pas forcément obligé de les tuer. Parce que ça, on va dire que c'est un sous-boss, en quelque sorte. C'est un gentil moustique, mais il a cru qu'on l'attaquait, donc il nous attaque. J'ai bien la tronche de Rayman, là, qui a peur. Regardez. Oh mon dieu. Il s'en mord les doigts. Et hop là. Normalement, encore... Voilà, c'est fini. Regardez, oh, petit moustique, il est triste. Eh ben non, faut pas être triste, pépère. Et hop, on est potes. Voilà. Ça se passe comme ça dans Rayman. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va passer dans une phase où on est sur le moustique, justement. Et donc nous, on peut toujours lancer le point, bien sûr. Le moustique ne peut pas faire d'accélération, hein, etc. Bien sûr, il faut éviter les pics là qui sont juste là, vous avez compris. Hein. Je peux pas les éliminer, les pics. Hop, allez, encore un carton d'électroon. D'électroon, c'est pas facile à dire, électroon. Hop, voilà, donc là ça ralentit, c'est parce qu'il y a des méchants électrons. J'ai pas envie de me les prendre. Donc là ils me suivent, bon ça va, ils me suivent plus. On va passer par ici. Voilà, j'aime bien, c'est les yeux qui restent. C'est seulement les yeux des électrons, enfin des électrons noirs qui restent, j'adore. Ah oui, c'est vrai, je peux pas les casser ça. J'ai failli oublier, j'ai failli m'en prendre un d'ailleurs au passage. Ça c'est une phase pas facile. Ah, et j'ai pas pris le P. Oh là, il fonce. Oh, je sais pas ce qui lui arrive là, il s'est fait piquer le... J'allais dire, il s'est fait piquer les fesses par un moustique, mais non, c'est un moustique. Faut pas se faire piquer les fesses par un compatriote, à moins qu'il y ait reproduction. Mais sinon, non. Oh putain, il accélère. Oh, il accélère méchant. Allez, allez, voilà. Merci le moustique. Et sympa ce moustique. Ah, on retrouve Betty là. Alors, j'espère que ça fera pas comme dans l'épisode précédent où dès que j'avais récupéré le pouvoir, ça commençait à laguer à mort. Alors, tu es courageux, Rayman. Mais tu vas devoir l'être encore plus. Je trouve que j'ai déjà fait pas mal, hein. Alors maintenant, tu peux te suspendre. Tu peux me suspendre. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? D'accord, ok. Ah bah ça va être sympa ça. Pour atteindre certaines plateformes, ça va être super sympa.
Bon, bah alors espérons que ça lag pas. Ah bah on a fini le niveau. Il y a deux niveaux qui s'ouvrent à nous. Alors on va voir. On va déjà les sauvegarder, hein. Je vais garder ma petite habitude d'aller sauvegarder après un niveau. Parce que si jamais j'oublie, ça va pas trop le faire. Alors hop, on est reparti. Donc ici c'est quoi? On est toujours dans la forêt des songes. Et si on passe par là, on passe par le ciel chromatique. Bah, j'ai envie de finir la forêt des songes avant. Hein, avant d'aller plus loin, on va finir la forêt des songes. Et puis je crois qu'on a un nouveau pouvoir à la fin. C'est quoi de ce truc? Ouais. Ah, il faut que je te rende ça. Attends, hop. C'est un Rayman préhistorique, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il me donne? Alors. Taraizan donne à Rayman une graine magique pour faire pousser des fleurs presse haut. Ah, excellent, comment il part. Bon, alors, bah, on va essayer. Hein. Ah, d'accord. Ok, alors là ça va être un niveau de vitesse. Je m'en souvenais plus du tout de ce niveau. Ça va être vraiment un niveau de vitesse. Hop, alors ça a pas l'air de laguer, tant mieux. Hop, la bande qui tire, voilà. Tiens. Et, ah, je me trompe de touche. Voilà, des électrons. Des électrons. Je vais y arriver. Bien sûr, ça commence à laguer. C'est pas cool. C'est pas cool du tout là si ça commence à laguer. Bon, ça va, ça s'est arrêté. Alors là, je suis un peu trop haut. Je vois plus trop ce qui se passe. D'accord. Une betterave, comme j'aime les appeler. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, hein. Si vous connaissez, dites-le moi, parce que moi... Ah d'accord, en fait, le lac de musique, c'est pas un... Je pensais que c'était un lac qui venait de moi. En fait, c'est tout simplement parce que la musique du jeu se répète en boucle. Et que... je me suis fait toucher. Donc, à bout d'un moment, bah, y a plus de musique, tout simplement. Hein. Parce que j'ai encore le son. Ah, il y avait une vie! Ah, sale! Je suis passé le truc avant de prendre la vie. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, alors, hop. Regardez, voilà, c'est ça que je vous expliquais dans l'épisode 1. C'est les betteraves, là. Si on les tape avec un ennemi dessous, voilà. Voilà ce que ça donne. Et hop, on peut le remonter sur la tête. C'est quand même beaucoup plus pratique. Hop, si j'avais pas ces problèmes, ça irait mieux. Là, j'ai l'impression que ça va. Alors là, ici, faut la prendre au rebond. Voilà. Allez, c'est bon. Ah, il y avait un truc là. Je vais peut-être pouvoir l'avoir. Alors. Hop. Ah, mes frises... Ah bon, c'est bon. J'allais dire mes frises reviennent. Mais ils se sont en allés. Alors. Hop là. Bien sûr. J'ai peur. Oh. Voilà. Je le savais, ça c'était à douter. C'était à douter, sérieux. Oh putain, comment vous voulez que je passe ça, quoi? Hein, bon là, voilà, en plus mes trucs sont revenus à zéro. Enfin, mes points de... Eh merde! Je suis passé à travers la plateforme, quoi. Je commence à rager, c'est pas bon. Tiens, toi! Allez, hop, tiens, ton copain! Alors, c'est à ce passage-là, apparemment, je lag. Je lag à ce passage-là. Bon, vous me direz, c'est pas encore gênant, hein, ça me fait un slow motion, c'est plutôt sympa. Ce qui est plus chiant, c'est pour la musique, parce que la musique de Rayman est plutôt pas mal.
Mine de rien. Allez. Alors. Hop. Hop là. Hop, voilà, c'est déjà fini, vous voyez, c'était un petit lag. Pas grand chose. Alors je vais attendre que lui avance, comme ça je chope ça, je chope ça. Oh purée, encore eux, je les aime pas. Ah, je suis pas mal là-haut. Alors faudrait que je calcule le bon, voilà. Tiens, allez. Voilà. Magnifique. Ah merde, il y avait une caisse de... Oh, trop tard. Trop tard, bah c'est pas grave, hein, on l'aura pas. J'ai combien? 7 vies. Bon, ça va aller. Alors là, par contre, vous voyez, ça c'est un truc vraiment... comment dire? Assez galère. Donc soit on se met comme ça, on balance le point et ça essaye de revenir sur la betterave, soit faut donner un coup dedans et faire attention à bien remonter dessus. Voilà. Ça, bah, on y va tranquillos, hein. Tous les pics là, on les esquive. Je crois même qu'on peut, avec un peu de chance, je crois qu'on peut même tuer des ennemis. Oula, ça commence à accélérer. C'est pas forcément bon. Wow. Alors, wow. Ah, ça apparaît n'importe où ce truc. Il y a même pas un mec qui les tire. Wow, j'ai du bol sur celui-là. Ah si. Non. Ah non, vous avez bien vu que je l'ai touché là. Je l'ai touché. What's the problem? J'en ai marre. Ce jeu se fout de moi. Allez, on est reparti. Donc là, bah, je préparerai mon point, hein, parce que... Ah oui, non, c'est pour ça, c'est parce que comme je suis mort, je peux plus les tuer en une fois. Eh ouais, j'avais complètement zappé que je pouvais plus les tuer en une fois. Voilà. Alors, je crois que là, ouais, c'est bon. Non, non, attendez, là, c'est quoi ce bordel? Je l'ai touché. Je l'ai touché. Et je suis mort quand même. What the problem? Oh, viens, en plus, ça commence à revenir. C'est pas vrai. Bon, ça va, j'ai l'impression que ça se calme de temps en temps. Ça apparaît juste comme ça. C'est pas très, très gênant, vous voyez. Hein. Bon, allez, on est reparti. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est préparer mon point directement. Ça, je lui enverrai directement dans la tronche. Une fois, voilà. Regardez, hop. Je suis prêt. Ou alors, je passe au-dessus. Comme ça. Voilà. What? Hey. Il lui faut 3 coups à celui-là. Ah ben, vous m'étonnez que j'arrivais pas à le tuer. Aïe, aïe, aïe. Eh ben voilà, on a fini. Alors, attendez, attendez. Oh, il y a un nouveau passage. Qu'est-ce que c'est? L'antre de Mosquito. Ça m'a l'air intéressant. Ça m'a l'air d'être un boss. Le boss de la forêt des songes. Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être ça. Donc allez, ben, hop, on repart sauvegarder. Bien sûr que je veux sauvegarder, sinon je le ferai pas. C'est un truc qui... C'est aussi dans les jeux vidéo qui me... Voulez-vous sauvegarder? Ben, si tu vas au point de sauvegarde, c'est pour faire quoi, à ton avis? Êtes-vous sûr de vouloir sauvegarder? Oui, êtes-vous sûr de... Non, c'est bon, hein. Voilà, c'est ça qui est chiant, les jeux vidéo. Donc, bah, dans le prochain épisode, on fera l'antre de Mosquito. Et avec un peu de chance, on attaquera le ciel chromatique. Donc voilà, bah, j'espère que cet épisode vous a plu, malgré quelques petits ralentis. Il n'y en a pas eu tant que ça, bizarrement, aujourd'hui. Voilà, suffit que je le dise. Non, c'est bon, c'est juste la musique qui s'est coupée. J'ai eu peur. J'allais dire, ouais, tiens, je dis qu'il n'y a pas eu de lag, et puis là, bang, tiens, prends un lag. Donc oui, alors j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez vos commentaires, mettez quelques pouces verts, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, hein, à ma chaîne.
pour poursuivre mes autres let's play qui vont venir et pour regarder ceux qui ont déjà été tournés. Et puis moi, bah je vous dis à la prochaine.